Et yop les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo pour vous présenter la toute nouvelle, le tout nouveau véhicule qui est sorti ce mardi 10 janvier 2017. Donc au passage, bonne année à tout le monde. Donc c'est la Progen Italy GTB à 1 189 000 $. Donc elle est sortie ce matin. Donc elle est vraiment belle. Donc pour ceux qui ne savent pas, Progen en vrai c'est la marque. C'est la marque McLaren, voilà, j'avais perdu son nom. Donc là on va directement aller l'emmener chez Benny. Après je vous aurai fait une toute petite vidéo donc, de 14 secondes où je vous montrerai le véhicule sans aller chez Benny. Voilà, sans la transformation. Donc là on peut voir que quand on la transmet elle est un tout petit peu plus petite. Donc ce qui est pas mal. Comme vous avez de blindage, j'en mets jamais. Donc il n'y a pas de blindage, frein de course. Pare-choc, vous allez voir qu'il y a énormément de pare-choc, mais bon, c'est vraiment cool, comme ça on a beaucoup de choix. Et personnellement, comme j'adore les gros pare-chocs comme ça qui font bien furtive, bien sport, voilà, j'aime bien. Donc du coup, j'ai mis tout dernier. Et après, j'ai mis diffuseur, excusez-moi, de tourisme carbone. Donc voilà. Ensuite, châssis, j'ai mis L arrondi et L arrière aéré. Donc au début j'ai mis du temps à comprendre que c'était deux séries les deux. Donc vous allez voir. Hop là, donc là j'ai mis L arrière aéré. Et là je vais mettre L arrondi donc devant. Donc là c'est que je savais plus. Je croyais que L arrondi comme ça c'était pour derrière. J'avais complètement mélangé, mais bon, enfin bref. Donc là moteur, moteur niveau 4. Échappement, donc là échappement quadruple titane, donc ils sont vraiment stylés. Franchement je les kiffe, ils sont vraiment magnifiques. Après capot, j'ai mis capot attache capot droite, excusez-moi. Capot, donc là je vais mettre le tout dernier capot, donc tout cette hauteur j'ai mis tout ce qui était en dernier, donc le plus cher. Donc vous pouvez très bien dire que ça sert à rien, c'est vrai, mais ça me plaisait donc voilà. Après moi j'ai mis ce qui plaisait, j'avais assez d'argent pour faire plaisir, donc tranquille. Donc là, habitacle, tableau de bord, donc là je vais mettre un peu tous les tableaux de bord, même si ça ne change, pas. Donc là je les mets en carbone. Hop là. Ensuite cadran, donc là j'ai mis le dernier. Le tableau MK3 plus compteur. Donc ça va, si tu veux. Ensuite portière, j'ai mis panneau de course carbone. Hop là. Parce que comme elle était, quand je l'ai mis en mode course, la GTB, je me suis dit autant de mettre complètement en course. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Ensuite, excusez-moi, siège de rallye carbone. Voilà, qui est vraiment stylé. Comme vous savez, ceux qui regardent mes vidéos qui adorent le rouge. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis le dernier volant aussi parce que je le trouvais vraiment cool. Il veut absolument qu'on garde le slogan Progen mais aussi qu'il y a un aspect course, du coup le dernier c'est parfait. Donc pour l'éclairage je change pas et arceau de sécurité j'en ai pas non plus. Parce que bon, pour les points mais je trouvais que ça faisait trop de place dans la voiture. Donc après j'ai mis des néons, enfin des phares grisons, excusez-moi, des pas de néons. Et en motif, lequel que j'ai mis, enfin celui que j'ai mis. Hop là. Donc voilà, c'est celui-ci, le Amigas. Donc je trouvais vraiment stylé. Hop là. Donc c'est vraiment vraiment beau. Donc à 38 700 $. Donc ensuite, je vais m'occuper de la peinture. Donc j'ai mis une petite plaque comme ça. Hein. Hop là. Peinture. Couleur principale. Donc en couleur principale, je vais regarder ce que c'est avec le gros, mais bon, j'ai dit non. Et là, je vais la mettre en noir carbone. Vous allez voir qu'elle est vraiment magnifique en or carbone. Bon, je peux la mettre en or tout court, mais bon. Nord carbone, je crois que c'est stylé. Donc bon, j'ai dit pas nord carbone. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous avez mis à la place comme couleur. Donc franchement, le nord carbone, je trouvais que ça faisait vraiment, vraiment stylé. Elle sera pas Amigas, donc on voit vraiment très, 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 très de près. Enfin, on peut le voir que de près. Voilà. Et en couleur secondaire, j'ai mis du rouge. Parce que quand la voiture était déjà assez noire, elle voulait varier les deux couleurs rouge et noir. Donc ouais. Je crois que je peux aussi la mettre en gris pour faire ressortir le bas de caisse. Mais bon, c'est pas très grave. Hop là. Donc,
Torino, donc j'ai pas vu le rouge, j'étais passé devant, j'avais même pas vu. Donc c'est dommage que je voulais avoir la même couleur que la voiture, le même rouge. Sauf que le neuf, je sais pas s'il est plus foncé ou plus clair, en tout cas il est vraiment beau le rouge. Faudra que j'essaye de le trouver en coup quoi. Enfin, du coup. Toi. Donc là j'ai mis toi générateur carbone, je crois. Parce qu'en fait je trouvais que la bande, ça cassait le truc qui était en rouge en haut. Et je trouvais que ça faisait pas très beau, donc du coup bah j'ai mis générateur à carbone. Donc ouais, je crois que c'est assez stylé. Donc déjà, la voiture je trouve qu'elle est assez bien. Elle est vraiment belle. Voilà, après il faut voir si elle dépasse la T20, la X80 Proto, la Nero, enfin toutes les voitures qui sont assez rapides maintenant. Donc là, en aileron, je vais mettre le tout dernier aussi. Puisque je crois qu'il était vraiment stylé. Hop là, le BGW Extreme. Hop là. Parce que je crois qu'il était pas trop gros et pas trop pignon et tout, donc il était parfait. Transmission max, turbo max, les roues pneus et amélioration des pneus, voilà. Et fumée du coup, fumée rouge, excusez-moi, voilà. Et après fenêtre, j'ai mis en limousine. Donc là vous avez pu voir à peu près la customisation. Donc de la ProGen Italy GTB, donc elle est vraiment magnifique. Donc là je vais vous faire pas une coupure, mais vous allez voir la voiture sans être allé au béni. Vous allez voir qu'elle est vraiment magnifique aussi. Donc là je vous laisse sur ces images. J'espère que si de vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et pour plus de vidéos, abonnez-vous. Moi je vous dis peace et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.